Bonne année, bonne année, bonne santé, t'es. Coucou mes choubidous, alors je reviens de course, alors je vous dis pas ce qui s'est passé ce matin dans le métro à 8h30. Un monde de malades, des grévistes qui empêchaient les non-grévistes de démarrer, c'est-à-dire les conducteurs de métro, ils les empêchaient d'un côté comme de l'autre, il y avait un monde de fous. Et en fait, les gens hurlaient, remboursé, remboursé, remboursé. Ils en avaient marre, ils étaient excédés. Le chauffeur qui ne voulait pas, qui pouvait pas démarrer parce qu'on l'a interdit, c'était très très chaud. Et encore en ce moment-là, apparemment, il y a une enquête ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Bon, allez, je vous montre mes courts retours de cours. Comment je t'arme, la fille. 2020, Sibylle, tu fais que des conneries. Je vais vous ranger mes, je vais vous montrer mes courses. Ah, allez Sibylle, go! 2020! On y va! On y croit! Alors, tout d'abord, j'ai acheté une mangue, j'ai payé 1,40 € parce que j'adore les mangues, j'en mets partout, j'en mets dans plein de trucs. J'ai acheté plein de petits potages, alors je les ai payés 2,20 € parce qu'il est bio celui-là, et les moulinets d'antan aux légumes variés. Je trouve que c'est la marque La Potagère, je trouve qu'il est pas mal, donc 2,20 €. J'ai pris des petits croutons, 1,20 € au fromage. Voilà, avec mes soupes. Je me suis pris des petites crêpes parce que j'adore les petites crêpes. En plus, elles sont sucrées à la vanille. 2,35 €. Il y en a 8. Je me suis pris des moules. 2 €. C'est à quoi? C'est à l'ail et au persil. Alors, à la base, c'est pas ce que je. À la base, je voulais faire des spaghettis, enfin des fettuccini avec des crevettes et avec des moules. Et avec de la sauce Kikkoman soja sucrée. Et puis j'ai laissé tomber parce que c'était trop cher, il y avait des trucs qui me plaisaient pas, c'était pas les bons prix et moi c'est pas le bon prix. Là, c'est une petite bûche à la graine de courge. J'ai payé 2 € au lieu de 2,50 €. Ben franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, surtout que je vais avoir un invité qui arrive là dimanche. Petite soupe de légumes, moulinet de légumes parce que je n'aime pas les veloutés. J'ai un petit problème avec ma caméra, moi je crois. Je n'aime pas les veloutés. Je regarde si ça marche. Ouais, je n'aime pas les veloutés. Donc, du coup, j'ai pris moulinet de légumes. C'est très bon. 1,20 € de la marque Carrefour. Celle-ci, j'ai payé 2,20 €. Moulinet de légumes d'hiver, Liebig, 100% ingrédients naturels. Voilà, c'est des petites briques. C'est très très bien. 1 €. Je ne sais pas combien j'ai payé ça. J'espère que j'ai payé ça 1 €. Moins de 2 €, je sais pas, j'ai pas regardé le prix, mais je crois. Bah, bref, viennois au chocolat, j'adore. Je crois que j'ai payé ça 1 €, mais je suis pas sûre. La sauce Kikkoman, elle était trop chère. Du coup, j'ai pris la sauce Sujiwan, sauce soja sucrée. Voilà, et je l'ai payé 1,35 €. J'ai repris des crêpes 1,65 € parce que j'adore. Je vous dis, je vais grossir. Hein. Ceci, j'ai payé 1 €. Ce sont des graines sun, 1 €, franchement, pour mettre dans la salade, pour mettre dans plein de trucs, c'est pas mal du tout. Après, j'ai pris du crunch. Ah ouais, du chocolat qui croustille. Je sais pas combien. 1,65 € ou moins de 2 €. Je sais que c'est pas du bon chocolat, hein. 22 centimes un oignon rouge, parce que c'était pour faire ma recette, mais du coup, je ne vais pas la faire. Ça, c'était 2 €. Alors, il faut savoir que Carrefour, il leur reste énormément de produits, Carrefour Market. Je pense qu'ils n'ont pas vendu à cause des grèves, et c'est une catastrophe. Hein. Bruschetta confit de légumes, j'ai payé ça 2 €. Alors, moi, je mets ça dans des sauces, je mets ça dans des plats pour agrémenter des pommes de terre, des pâtes. Des pâtes! Non! Arrête, Sybille, avec tes panzani. J'ai trouvé. Deux galettes des rois, 2,80 €. Ouais, j'ai envie de manger du sucre. On m'a dit hier que je faisais pas du tout mon âge. On m'a demandé si j'étais congelée, si je m'étais fait congeler. Donc je trouve ça super. D'ailleurs, trop gentil. Alors, des petits pois. On a toujours besoin de petits pois chez soi. 1 € et des bananes. Bah ouais, hein, je suis toute seule alors. Après, vous allez rire, hein, mais je m'en fous. Moi, j'en ai rien à faire. Je vous montre tout. Le saumon au beurre d'échalote, j'ai payé 4 €. Écrasé de pommes de terre.
Bah, franchement, ça fait un petit repas parce que là, j'ai cuisiné. Quand je cuisine, j'ai plus de micro-ondes. Alors, hier, j'ai fait une soupe, là, une brique avec du fromage. Et en fait, mon micro-ondes, il a de la limaille dedans, de la limaille de fer, enfin, la fer qui s'en va. Donc, c'est terminé, je ne peux plus l'utiliser. Du coup, bah, je suis obligée d'utiliser la casserole. Alors, ça, c'est le clou du spectacle, le number one du number one. 1,72 €. Mais vous avez en lot. Je vous le donne en 1000. À votre avis, combien c'est le lot? Ah ben c'est 3,44 €. Donc c'est n'importe quoi. Non mais 1,72, 3,44 €, ils se foutent du monde. Ils auraient pu mettre 3,20 € mais pas 3,44 € quoi, c'est le même prix. Donc du coup, bah, j'ai préféré prendre deux paquets plutôt qu'un gros paquet. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petites tomates à 1 €. Petites olivettes. Quand je vous dis que j'ai envie de manger. Grave du chocolat. Du chocolat 2,45 €. Du chocolat noisette Côte d'Or avec du raisin. J'adore. Mais j'adore, j'adore. Et ça, regardez ça. Croque-moi. Non, mais vous n'avez pas envie de le croquer, ça? Craque-moi. Framboise, chocolat. Miam. Et peut-être quand mon invité va être là, je vais acheter des framboises et je vais mettre des framboises dedans ou dessus. Ça sera bon. Ça peut toujours dépanner quoi. Cassoulet, parce que j'adore 1,35 €, 2,40 € le chocolat, les gâteaux. J'ai peut-être oublié des prix. 1,20 € des petites tartelettes au citron. Pour ma fille, parce qu'elle a tout ce qu'il faut, mais je lui ai pris un comme ceci là, un Edgar Cooper. Ah ouais, j'ai payé ça 99 centimes. C'est super bon, c'est frais, c'est bio, c'est végétal. Enfin, c'est très bon pour les animaux. Dinde et crevettes. J'ai oublié le cadeau à Evie. J'ai pris des olives apéro, 2,29 €. J'adore. Franchement, elles ont l'air sympas. Hein. Je vous dis, ils avaient plein de trucs de fête et ils n'ont rien vendu. J'ai pris du Siracusa. J'irai bien voir à Siracusa. Je sais même pas si c'est comme ça, la chanson. Citron jaune, 1,20 €. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai montré mon make-up. Et je m'en fous, j'en ai rien à faire, je m'en fous. Moi, je m'en fous complètement. J'ai besoin de culottes en coton. Alors, je prends des culottes de grand-mère, j'en ai rien. Oh, elles sont moches. Oh non, mais elles sont trop moches, celles-là, par contre. En général, je prends des jolies culottes. Bon, bah, je crois que je vais les échanger. Hein. Allez, hop. Non, parce que du coup, j'ai pris la même comme ça. Du coup, c'est moche, quoi. C'est pas, je pensais, je ne m'attendais pas à ça, à ce point-là, quoi. Bon, bref. Voilà. Eh bien, sur ce, mon délire coursos, les courses est fini. Et je me suis maquillée avec ceci. Ceci qui est métallique, j'adore, 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 de Make-up Révolution. Vous regarderez ma vidéo que je mettrai plus tard. Je vais la mettre. En fait, il y a le crayon. Regardez. Il y a, on fera le détail. Il y a le crayon et il y a le, c'est Rétrolux. Voilà. Et juste un aperçu. Un, deux, trois. Nous irons au bois. 4, 5, 6, si tu y arrives. 7, 8, 9 dans vos paniers. 9. Merde, mince. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Je suis maquillée. Ah, je viens de me pincer. Non, mais attendez, je viens de me pincer là. Ça fait mal, hein. Bon, et sur ce, elle est comme ça. Vous la verrez la prochaine fois. C'est Make-up Révolution. Sur ce, j'ai fini. Je vais ranger mes cours. Je vous dis I love you. Je te dis, je te quiero, te amo. Et je pense que vous allez entendre parce que on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Ça, je vous le dis. Je vous l'assure. Je mets la vidéo maintenant. Comme ça, on est tranquillos. Elle est faite. Vous verrez mes retours de cours. Et après, vous verrez mon make-up. Alors, le make-up, pour le coup, j'en ai mis un peu trop parce que j'étais déjà maquillée. Et comme, ah ouais, vous verrez après. Je me suis coupé les cheveux ce matin. Alors, je vous montre la surprise. J'ai fait comme ça. Et j'ai fait comme ça. Et voilà.
Et voilà, comme ceci. Non mais, hé, franchement, regardez, c'est pas top ça, hein? Je me suis coupé les cheveux et j'ai fait super. Bon bref, Sybille, t'es complètement débile. Hein? Allez, bye, ciao. Non, pas débile, je déteste ce nom-là. Parce que quand j'étais petite, on disait toujours que ça rimait avec il. J'aurais voulu m'appeler Sylvie, ça aurait été mieux parce que Sybille. Bref, non, j'adore mon prénom. Allez, sur ce, Sybille, tais-toi. Bye bye, ciao, I love you, je l'ai dit, je te quiero, te amo. Et bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne santé, bonne santé, bonne santé, t'es. Tu veux du thé? Non, ça va, merci. Bon, et bye bye, ciao.